soit dans la cosmétique, dans le textile, etc., il y a quand même pas mal de nouvelles idées qui émergent et qui sont basées sur ce concept du Made in France. Il faut qu'on aille vers une consommation le plus locale possible et la plus responsable possible, à la fois pour sa santé et pour l'environnement, tout en continuant à se faire plaisir. Nous, on indique que c'est fabriqué en France, mais également dans quelle région. Donc on a beaucoup de produits fabriqués en Auvergne, dans le Jura, et on l'indique sur le pack. On est en train de travailler de plus en plus à une nouvelle charte graphique qui va nous permettre de valoriser justement cette fabrication française et ce savoir-faire que l'on a depuis plus de 20 ans. Et également le travail au niveau de PLV, où on va utiliser des réglettes, on va utiliser des stop-rayons. Pour les marques que l'on vend en France, on met en avant le fait qu'on soit normand. Et puis pour toutes les marques que l'on vend à l'étranger, on met tout simplement le drapeau bleu, blanc, rouge. Parce que là encore, la French cuisine est quand même quelque chose de bien mis en avant. Ils sont vraiment de plus en plus sensibles à ce côté made in France, à savoir d'où viennent leurs produits, qu'est-ce qu'ils appliquent surtout sur leur peau. Ils favorisent déjà le circuit court d'un point de vue écologique, mais aussi sociétal, et c'est un engagement du consommateur pour ces produits made in France. En magasin, selon les enseignes, ça se retrouve plus ou moins. On va dire qu'il y a parfois des espaces dédiés aux produits typiques made in France. C'est un début pour l'instant, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On reconnaît plus le made in France dans les magasins bio pour l'instant.